Hello hello, bonjour à tous, donc aujourd'hui ce sera un épisode un peu spécial d'Open Bar Donc ça va être un épisode, euh, épisode enregistré, j'ai commencé à me mettre, ça fait partie des annonces euh, que, je dois, que, je dois, que je dois annoncer Bref, euh, donc on est le vendredi 6 octobre 2023 Et c'est le centième épisode euh, long Punch Donc ouais je sais j'aurais dû faire un live pour le centième etc et tout euh, mais c'est pour dire qu'il y a déjà eu un objectif qui vient d'être atteint. J'ai atteint enfin les 100 vidéos publiées. Il y en a d'autres qui arrivent en même temps. C'est déjà un, un énorme boulot. Donc, dans les annonces. Euh, déjà, premièrement, commençons par le début. Euh, Tipeee est actif. J'ai fait quelques modifications. Mais j'aimerais remercier déjà Marthe qui est le premier, euh, le, le premier à avoir participé. Ça fait vraiment plaisir. Il y a eu beaucoup beaucoup de travail qui a été fait depuis décembre. Euh, J'avouerai que c'est un peu épuisant, voire même extrêmement fatigant. Mais je vois qu'il y a déjà pas mal de choses qui avancent, donc ça c'est quelque chose qui, qui est vraiment sympa. Donc merci à toi Martz, merci pour le soutien, merci pour l'aide, merci pour l'activité aussi que tu as sur Discord. Je sais que c'est pas évident pour, euh, pour nous tous en ce moment, que ce soit en freelance, en salarié et compagnie. C'est vraiment super sympa. J'espère que. Bon, en tout cas, on va pas se mentir. Hein. Ça a déjà contribué à payer euh, ce mois-ci euh, une partie des services. Et normalement, ça devrait continuer euh, d'ici sous peu euh, à payer le reste. <coughs> Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a de beau comme annonce euh, aujourd'hui Donc, on va commencer par les projets euh, qui ont été lancés récemment. Donc, aujourd'hui, j'ai commencé euh, à finalement trouver le temps. À la planification des lectures des, des paper sessions et on a pas mal de choses en cours jusqu'à décembre. À partir de la semaine prochaine, ils seront enregistrés en avance. Euh, donc, oui, ça fait partie de choses que je dois vous dire c'est que j'ai pas mal de projets en parallèle en ce moment. C'est pas évident euh, d'un point de vue professionnel, personnel et compagnie. Donc, j'ai décidé de tester l'enregistrement et la rediffusion de toutes les vidéos. Donc, évidemment, ce sera à faire en anglais pour la plupart. Open Bar va rester en français parce qu'à l'origine, Air Long Punch était pour le marché français et 100% français. C'était pas prévu euh, d'aller aussi loin entre guillemets dans l'expérience le, dans et, et d'avoir interviewé pas mal de personnes et tout, ou parler avec des personnes et toucher un cadre international. Mais l'Open Bar vont rester en français euh, parce que je pense que c'est aussi intéressant. De montrer qu'en France il y a de l'activité au niveau de tout ça. Donc euh, la plupart des papers maintenant vont être planifiés, vont être enregistrés. Euh, J'ai fait pas mal de tri aussi entre ceux qui sont très intéressants, ceux qui sont très intéressants mais qu'on ne peut pas faire en entier et ceux qui vont potentiellement nécessiter plus qu'une vidéo. Donc jusqu'à décembre-janvier. Normalement il n'y a pas de souci, ça va être une heure maximum deux heures de vidéo. Et euh, le but, ça va être toujours comme d'habitude de, de lire et de faire des tests, voir si ça fonctionne, etc. Donc tous les papiers qui sont là, je les ai récupérés. Certains euh, dans le domaine euh, public, d'autres non, enfin c'est un peu compliqué à chaque fois pour récupérer des papiers. Mais ils sont disponibles, ils sont aussi disponibles sur le Discord pour les personnes qui sont intéressées. Euh, donc euh, n'hésitez pas aussi euh, à venir sur le Discord. Ensuite, euh, vu que je fais de la rediffusion, je me suis rendu compte, malgré moi, euh, la semaine dernière quand je préparais tout ça, que Restream ne supportait pas, enfin s'il supporte, mais c'est payant, euh, il ne supporte pas vraiment la rediffusion de contenu de plus de 30 minutes. Vu que mes vidéos, mon contenu est généralement supérieur à 30 minutes, euh, même voire 1h, 1h30, j'ai dû créer un petit patch. Donc, pour le, mo pour le moment, c'est juste un brouillon. Donc, il n'y a pas grand-chose. Ça s'appelle Rush. C'est fait pour. Euh, c'est un scheduler tout simplement de, pour les vidéos et pour faire un planificateur de vidéos. Le tout 100% en Erlang. Donc, la première étape que j'ai fait c'était juste pour euh, tester les configurations nécessaires. Donc, ça, c'est la configuration que j'utilise actuellement. C'est le premier ticket. Euh, le, le but de cette configuration actuellement, c'est pas d'être utilisé par Airlang, c'est d'avoir en fait un modèle qui fonctionne déjà. Et la vidéo, le Noester de cette semaine, euh, le, no Ester, le shortcut de cette semaine a été rediffusé via, via cette commande là. Donc je vais continuer avec ça, juste avec FFP, ffmpeg et tes commandes pour avoir le contrôle complet en fait de ce qui se passe. Et après, au fur et à mesure, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais euh, migrer tout doucement et sur mon temps libre, ajouter les features que j'ai besoin au niveau d'AirLang pour pouvoir en fait faire le streaming. Donc comme d'habitude, vous avez toutes les informations, tous les liens. Euh, le but à terme, j'espère que ça pourra aussi vous être utile si vous voulez faire la même chose. Moi, j'utilise euh, en backend pour stocker les données, j'utilise Calway. Euh, mais euh, n'importe quel disque dur devrait faire l'affaire et pourrait être utilisé pour, pour le moment, sachant que le serveur où je stocke mes données est hébergé euh, chez Edsner, dans mes souvenirs, ouais c'est Edsner, et j'utilise je, 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 ce serveur-là simplement pour faire la rediffusion et être sûr que les, les données passent avec un bon débit. Donc normalement il n'y a pas... de trop de conversions j'ai fait quand même des tests avant euh, d'ailleurs je pense que vous avez dû voir deux trois vidéos qui sont, pa qui, qui sont passées mardi soir je faisais mes tests euh, un peu en mode désespéré parce qu'il y avait deux trois trucs qui fonctionnaient pas euh, mais euh, l'idée c'est euh, de faire un maximum de rediffusion pour que moi je gagne du temps et que je puisse faire avancer par exemple nos str perti les autres projets euh, qui sont des projets qui me tiennent vraiment à cœur et que j'ai pas vraiment beaucoup le temps d'investir dedans en ce moment donc, encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'enregistrer dès que j'ai un moment, je, 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 je m'alloue une heure ou deux, je fais mes enregistrements, la conversion, j'essaie de cleaner un petit peu tout ça, et après, je diffuse le tout euh, sans, sans aucun problème via, via, via cette commande-là. S'il y a vraiment un problème, je peux le faire manuellement, ou via le, le rush, qui va être l'application qui va s'occuper de ça dans pas longtemps. Donc voilà, euh, c'est en gros ce que je veux avoir, c'est une alternative euh, open source pour mes besoins de restream. Qui je l'espère va fonctionner correctement. Bon, on verra, j'ai pas encore eu trop le temps de tester, j'ai fait des tests un peu euh, mardi, les, les semaines en ce moment sont un peu compliquées. Next projet, donc euh, je pense qu'on a déjà parlé un petit peu, j'en ai, euh, ai fait un petit peu de bruit là-dessus. Alors ça c'est un projet qui est fonctionnel. Il pas encore prodé euh, parce qu'il y a pas mal de choses en cours. C'est une interface à CosoDB. Alors qu'est-ce que c'est que CosoDB Je crois que j'ai un lien ici. C'est un système un peu basé sur DataLog, inspiré de DataLog. On pourrait dire parce que la syntaxe est un peu différente, mais qui permet de faire de, des relations de données, de travailler sur les données avec justement cette syntaxe-là et, et la flexibilité de Prologue, datalog Donc cette idée d'implémentation m'a été donnée par Alexandro euh, Ramallo, on, a, on avait parlé de tout ça et en fait, je pense qu'il est un peu comme moi. Il n'est pas trop SQL. J'ai jamais été un gros fan. En ce moment, je dois en faire et j'avouerai que plus j'en fais, moins j'apprécie. Mais je pense que c'est comme le Perl après 2-3 ans à développer du Perl. Je pense que les gens commencent à apprécier ça. En tous les cas, j'ai fait cette implémentation là. Donc, euh, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses en cours, mais ça fonctionne. Actuellement, les structures de données que, ce qui sont envoyées et retournées me plaisent absolument pas du tout. Mais c'est une implémentation de la librairie C euh, qui est fournie avec CosoDB dans mes souvenirs. Il y a eu le lien, parce qu'en fait, c'est ici, mais je voulais vous donner le lien. En gros, ouais, c'est l'implémentation en fait, de la librairie C. Donc, ça veut dire que c'est simplement des chaînes de caractères qui sont envoyées et récupérées, qui sont ensuite reconverties en JSON, et qui sont après euh, reconverties en, 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 en terme langue. Ce qui fait que ça fait un peu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges entre ces deux parties-là, qui ne me plaisent pas trop, parce que d'un point de vue performance, je pense que ce n'est pas trop ça, mais c'est un POC. Euh, la prochaine version, c'est aussi pour ça que j'ai pas trop le temps, c'est que j'apprends le Rust, enfin euh, le langage Rust en parallèle, parce que Cosodb est codé en Rust. Du Rust, j'en ai fait, mais un petit peu par-ci par-là, et je suis vraiment pas bon avec ce langage. Donc l'idée, c'est de refaire une implémentation prochainement en Rust. Alors je crois que j'ai commencé à faire 2-3 trucs, mais c'est vraiment pas terrible, et je me suis basé sur la première implémentation d'Alexandro. De, de, euh, le but, c'est d'avoir un truc propre hein, à terme, euh, en, en IF Erlang, Uh, NIF Erlang Rust, et de pouvoir uh, communiquer directement avec les bases de données ouvertes, avec Coso via Rust directement, et non pas pa en passant par l'interface en C, qui est accessoirement très bien, hein, qui, qui, qui à mon avis fonctionne pour énormément de, de cas et dans beaucoup de contextes, mais qui n'est pas forcément peut-être la plus adaptée pour pour tout le monde d'un point de vue performance par exemple. Bref, dans tous les cas, ça fonctionne. Si à la fin de la vidéo, j'ai un peu le temps de vous faire une petite démo, j'en ferai une. Mais euh, gardez en tête et à l'esprit que ça va être modifié dans pas longtemps. Enfin, dans pas longtemps, je dis ça, mais avec le temps qui m'est alloué, ça va être euh, pas forcément très simple encore une fois à le faire. Mais le but, c'est d'avoir à terme une implémentation et un support complet de Cosodb en Rust directement connecté à Erlang et supportant toutes les features de base qu'il y a dans Erlang. Euh, un peu calqué sur Amnesia ou un peu plus lointain Amnesia qui était censé être une implémentation de Datalog en Erlang. Donc voilà, vous avez euh, une petite idée de, de, de ça. Donc Encore une fois, je le répète, ça fonctionne. Si vous avez l'occasion de le tester, vous pouvez. Il y a, comme d'habitude, j'essaye au maximum de, 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 de vous faire des notes. Donc là, vous avez toute une documentation d'utilisation. Euh, d'explications sur comment ça a été pensé, comment ça a été conçu, euh, avec les tests, les problèmes, euh, les, les, les soucis que j'ai, que j'utilise OpenBSD, et il y a pas mal de trucs sur OpenBSD qui ne fonctionnaient pas, donc euh, j'ai dû faire du hack un peu à gauche à droite, les modèles de test, euh, les relations, comment on fonctionne avec, l'équivalence avec euh, des données SQL et compagnie. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus complet possible pour que les gens qui ne connaissent pas puissent facilement euh, comprendre de quoi on parle quand on parle de data log et de code ODB. Donc ça c'est les, les deux trois grosses annonces que j'ai que, 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 que à faire. Ensuite, donc, je parlais de Tipeee, donc encore une fois je l'ai réactivé pour une raison. Donc ça c'est un truc que je veux vous parler. Euh, donc sur Discord, si vous voulez avoir accès au Discord, vous pouvez y avoir tous les mois. J'essaie de faire des invitations sur LinkedIn, Twitter, etc. Et le but c'est que maintenant j'ai divisé le, 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 comment dire, le, le Discord en plusieurs parties. Il y a une partie publique et une partie privée. La partie publique est accessible absolument par tout le monde, les invités, il n'y a aucun problème, c'est là où on parle, où on échange, où vous répondez à vos questions. Et potentiellement, là aussi, vous avez les annonces d'emploi que je cherche de temps en temps quand j'ai le temps et que je poste directement sur Jobs. Pareil, la, la fonctionnalité de streaming, quand je fais des streams sur Discord ou qu'on fait des streams sur Discord pour présenter certains outils, est disponible en public. Par contre, ça fait déjà presque un an. Enfin, ça a fait, dans deux mois, ça va faire un an que je stream quasiment toutes les semaines, que je fais des projets un peu à gauche à droite. J'ai pu eu beaucoup de repos en fait la dernière année, en plus du travail classique. Et je m'attendais à avoir plus d'engouement euh, de la part des personnes qui n'arrêtaient pas de me dire, enfin, pas tout le monde, hein, je dis pas, mais il y a beaucoup de personnes qui me sortaient Ouais, c'est bête, Erlang, euh, on l'utilise pas assez, il n'y a pas assez d'activités, il n'y a pas assez de personnes qui sont impliquées dans le projet. Et bah en fait j'ai créé une partie privée justement pour vous impliquer. Et si vous contribuez via Erlang Punch ou vous avez déjà contribué en fait à du Erlang ou quoi que ce soit, ou vous me notifiez et qu'on arrive à voir euh, à voir un peu ce qu'il en est, vous allez être normalement placé dans la partie contributor, et la partie Contributor ça va vous permettre d'avoir accès à toutes les catégories supplémentaires, euh, les notes que je fais, les pensées, enfin tout ce qui est par exemple au niveau des papers, les documents et tout, tout ça sera disponible ici. Et pareil, si vous ne voulez pas participer, mais profiter du contenu qu'on fait, et il y a du contenu, il y a beaucoup de contenu même, euh, y, vous passez par Tipeee et vous essayez de financer euh, même pour 10 euros, 20 euros, enfin ce que vous voulez. Et j'essaierai de suivre euh, assidûment les, comment ça les règles et les, les rewards que j'ai configurés. Le but étant, encore une fois, pas de vous prendre votre argent, c'est pas mon intérêt, mais c'est juste essayer de vous motiver. À faire du airlang, euh, qu'on fasse du harlan ensemble, qu'on essaie de faire bouger les choses, que vous puissiez apprendre un nouveau langage potentiellement, et que bah ça puisse faire partie de, de votre CV et d'avoir en fait un nouvel outil qui va permettre de répondre à certains de vos problèmes que vous pouvez rencontrer euh, soit sur vos projets pro, soit sur vos projets perso. C'est tout ce que j'ai à dire au niveau de ça. Il n'y a pas eu de nouvelle de nouvelle catégorie, ça a été juste vraiment exclusivement dévisé là-dessus. Ah, S'il y a quand même une petite catégorie supplémentaire, Donc, le, le, depuis le mois de septembre, euh, je fais des tests avec des, 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 des équipes de travail, euh, des équipes en fait de développement, où on va prendre un sujet et on va essayer de creuser dedans pour améliorer les choses. Donc euh, ça, on travaille à plusieurs dessus. Généralement, la plupart des personnes qui sont sur Erlang euh, Punch sont plutôt des bah, des personnes qui font ça pour, pour, pour le fun le soir, donc on essaie d'y aller au fur et à mesure, et avec le temps, le temps qu'on que, que, bah, qu a pour le faire, et typiquement, là le sujet sur lequel on essaie de bosser, enfin que j'essaie de faire avancer, c'est la partie Awesome Erlang, où je voudrais faire une vraie database à jour, euh, exhaustive, de la quasi-totalité des projets qui sont le plus utilisés par Erlang. Et en parlant de ça, faire à terme un audit euh, du code avec Erlang pour plein de raisons qu'on expliquera peut-être un petit peu plus en détail euh, au niveau de la, 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 la fin de la fin de cet enregistrement. Mais donc voilà, donc, le but c'est vraiment d'avoir la possibilité. Euh, de jouer avec une énorme base de données de projet et de faciliter le développement pour toutes les personnes qui sont intéressées au développement avec Erlang. Donc, Awesome Erlang, comme d'hab. Il n'y a pas eu trop de rajouts de papier, je sais que j'en ai deux, trois en fait à rajouter, que j'ai trouvé, euh, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, il euh, faut que je les rajoute. Pareil pour les blogs, etc. Et si vous voulez avoir en avant-première justement euh, les ressources que je poste, vous pouvez venir ici. Euh, donc, sur Discord, la partie ressources, et en fait, c'est toutes les ressources brutes euh, que je suis en train de regarder, que je suis en train d'analyser, que je rajoute au fur et à mesure dans les projets, pour pouvoir en fait euh, à terme mettre à jour euh, Awesome Erlanglist et tous les trucs comme ça. quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, ça c'était pour les annonces. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme annonce dans mes souvenirs Je crois que j'ai pas grand-chose de plus à raconter. À part que c'est le centième épisode et que c'est déjà une super bonne chose je trouve. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'énergie pour faire ça avec déjà tout ce que je fais. Je crois que dans Repository, on a peut-être créé d'autres. Donc ah oui si uh, Gumbo je l'ai mis en public aussi. Donc uh, Gumbo uh, qui n'était pas très fonctionnel, uh, qui n'est à mon avis toujours pas fonctionnel, a été réalisé en public et en open source. Si vous voulez voir en fait acc avoir accès au, au peu de code que j'ai fait. Uh, et ensuite, euh, ensuite, 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 on est pas mal. Donc il y a au niveau de nos STR, euh, je pense que la dernière session vous a montré un peu ce qu'on a fait. Alors c'est en cours de rediffusion, donc on va toujours être un petit peu en décalage avec euh, ce que je dis là et, 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 et la réalité. Donc euh, j'ai eu beaucoup de problèmes à modifier en fait mon ancienne version. Pour moi j'ai été trop loin sur beaucoup de su sujets et je pense refaire tout. Euh, enfin, pas bah, faire tout, en tout cas euh, découper un peu tout le projet en question en sous-projets qui vont eux-mêmes être euh, au fur et à mesure publiés sur x.pm, etc. Enfin, x.pm pour avoir, euh, si vous voulez utiliser par exemple l'implémentation de BEC32 en Erlang, l'utiliser dans vos projets. Si vous l'utilisez euh, simplement euh, la librairie NOSTR avec toutes les méthodologies pour parser en fait, du contenu des médias et des structures de données fournies par nos STR, vous, vous pourrez aussi l'avoir. voir. C'était quelque chose qui était prévu depuis un petit bout de temps. J'ai réalisé tout euh, ce week-end en mode euh, clean-up euh, très rapidement. Mais ça vous donne une petite idée de, 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 du travail qui a été fait au niveau de ça. Pareil, la flexibilité va être repensée, tout va être pensé vraiment très très modulaire pour que ce soit vraiment le plus modulaire possible et le plus flexible possible. Euh, parce que vouloir en fait creuser à chaque sujet sur telle ou telle chose, c'est quasiment impossible à faire. Euh, pareil euh, au niveau de Open Bar pendant que j'y suis. Les open Bar comme j'avais déjà dit, c'était une fois par mois, donc euh, le premier vendredi du mois normalement. Et euh, je pense qu'à la fin de chaque Open Bar, je vais vous montrer en fait, les créations, l'utilisation de, de ce que je fais, de ce qu'on fait en fait en général au sein d'Airland Punch. Voilà, voilà, je pense qu'on qu est pas mal. Moi, je vous propose déjà une petite démo avec COSODB, histoire de vous expliquer un peu comment ça fonctionne et pourquoi ça a été créé. Alors, je ne suis pas particulièrement un expert avec le, la, le dialecte utilisé par, par COSODB, mais on va commencer déjà par vous expliquer via le site web comment que ça fonctionne. Donc déjà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un, un projet qui est particulièrement intéressant de par le fait qu'il est développé en Rust, donc il est théoriquement memory safe, etc. Et qu'il implémente et règle pas mal de soucis inhérents à Prologue et à Datalogue. Mais dans un premier temps, vous n'avez pas forcément besoin de savoir ça. Donc comment ça marche Comment ça marche euh, On va commencer simplement par des petites, des petites queries, euh, juste pour vous expliquer un peu le principe. Donc ça, ça c'est une syntaxe. On va dire inspiré de DataLog, c'est pas vraiment du DataLog, mais en fait on dit que on va récupérer, euh, comment dire, une, une table contenant trois colonnes et on va les afficher. Donc là, normalement, si je fais ça, ça nous affiche bien nos trois colonnes. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Le but de DataLog et de ProLog, c'est justement avoir en fait une idée sur les relations entre les différents éléments des colonnes des tables que vous allez créer et ça ça ça, ça, ça devient intéressant après dès qu'on commence à maîtriser un petit peu le truc alors pour en formation j'ai toujours un peu de <laughs> j'oublie toujours un peu comment on fait pour créer les, les, les systèmes storés, mais je vais essayer de le faire de tête je vous garantis pas que ça fonctionne euh, dans mes souvenirs on fait un truc comme ça. Je ne sais plus comment on fait. Donc c'est deux points, deux points, create relation. Le nom de la relation. Donc par exemple, on va l'appeler test. On va l'appeler t plutôt. Et en fait, dans le nom de la relation, vous allez avoir les tables que vous voulez. Donc par exemple, on va mettre, euh, je sais pas moi, A, B, C par exemple. Pas sûr que ça marche. Je crois que c'est juste avec deux points. C'est typiquement les choses avec la syntaxe qui me, qui un petit peu c'est que je trouve que elle est vraiment vraiment pas pas enfin c'est pas comme comme du prologue quoi alors create c'est pas create Relation, c'est ouf c'est pas la bonne version celle là J'ai pas synchronisé en question, mais normalement je devrais avoir la bonne, la bonne version sur mon compte personnel. Et avec mes petites notes, histoire que je vous montre un peu comment ça fonctionne Create collation. Hop. Euh. Donc, que ce soit juste Create, mais c'est peut-être juste Create. Ouais, c'est ça exactement ça. Donc on va revenir sur Truc, euh, Create Relation, c'est pas ça, ça c'est mon interface en fait que j'ai fait pour Erlang pour faciliter un petit peu, un peu la, la création de tout ça. Et normalement je mets, il y a deux, deux points devant dans mes souvenirs, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, voilà. Donc là j'ai créé ma relation. Donc là une relation qui est créée comme ça, on va pouvoir y venir injecter des données et pour venir y injecter les données, on va devoir matcher les patterns par exemple ABC, on va devoir mâcher ce qu'il y a dans les colonnes, faire une attribution de données, par exemple comme ça. C'est-à-dire qu'en fait on va récupérer chaque colonne qu'on va nommer à partir de les, des, du nombre de colonnes qui sont ici, et on va pouvoir en fait les rajouter euh, directement dans la table en question. Donc, par exemple, euh, euh, c'était T, et puis on va rajouter A, P, C. Euh, c'est parce que j'ai fait ça comme ça. tac, Et ensuite le add. Je ne sais plus ce qu'à chaque fois c'est insert. Il y, y, y a un vrai problème euh, au niveau de ça. Je pense aussi que je vais faire une implémentation un peu plus détaillée euh, de comment de on s'appelle avec Rust pour pouvoir en fait directement éditer euh, la, la syntaxe qui ne en fait, qui, qui, qui me plaît pas forcément qui m'embête un petit peu ce que la, la logique qui est dedans je la trouve pas forcément géniale. Ah. normalement c'est add. vais euh, régler toute la partie qui est ici. Colonne. Donc là on a bien un autre caractère, blablabla. Ça c'est pour extraire les données qu'il y a dedans et pour les injecter. Ah c'est put, c'est pas add, c'est put. On va y arriver put donner enfin put data et normalement ça devrait pouvoir fonctionner ok alors c'est vrai que ça fait deux semaines que j'en ai pas fait mais de là de là à plus savoir le faire c'est quand même très fort euh, normalement ça devrait être bon pourtant Alors, je sais qu'il y a tout un principe aussi a variable variable at all ok pourtant c'est ah oui non d'accord c'est parce qu'en fait l'attribution se fait comme ça dans ce sens là Voilà, désolé. Donc, on va pouvoir recommencer maintenant à B, et C. Donc, là, maintenant, on va récupérer nos données qui sont stockées dans T. Et on va récupérer les données de cette façon-là. Alors, c'est typiquement pourquoi j'aime pas la syntaxe. Euh, je la trouve extrêmement. Euh, comment ça s'appelle bon, C'est confus. Ce qui n'est pas du tout le cas avec Prolog, par exemple. Euh, chose que j'adore faire et donc juste avec cet opérateur là bah, en fait ça me pose un problème à chaque fois donc là on a bien on a bien récupéré nos données on pourrait très bien imaginer en rajouter d'autres euh, donc je vais revenir en arrière puis on va rajouter une liste de données euh, des, euh, des des numéros dans ce genre là, là. Hop, comme ça on va rajouter d'autres j'ai juste incrémenté moins une valeur parce que par défaut euh, toute la toute la donnée et la clé primaire ce qu'on verra après pour modifier ça donc là je viens de recréer tout et ce qu'on va faire ce qu'on va essayer de récupérer voir si ça a bien été ajouté euh, euh, si c'est comme ça t a -b C. chez Mal avec ça, voilà donc là on a bien nos données qui ont été rajoutées, il n'y a aucun problème. Et si on veut modifier quelque chose, par exemple modifier euh, le, le, les données au complet, en fait toute cette valeur là c'est la clé primaire, euh, la ligne qui est là c'est une clé primaire. Donc on va essayer de quelque chose de différent. On va créer une nouvelle relation qui va s'appeler T2 et là on va définir par exemple ID et tout ce qui va être derrière ID ça va être en fait les colonnes classiques et ID devient alors euh, la clé primaire. Par exemple, je ne sais pas, on va mettre name, euh, age. Et normalement, on peut définir les types. Donc, par exemple, on va mettre, euh, je crois que c'est string en majuscule. Et euh, int pour integer. Euh, sauf que c'est juste deux points, je crois. Boop, boop. Voilà, donc là, on a créé en fait une nouvelle table qui s'appelle T2. On peut aller les voir avec justement la commande relation. Qui commence par deux points, je crois. Et là, on voit bien qu'on a T, on a T2, et on a bien euh, les informations. On peut voir aussi le contenu de la table avec show. Euh, je crois que c'est show table et T2, par exemple. Non, c'est show relation. Euh, J'essaie de faire de tête, <laughs> ça me fait réviser un peu. Et c'est pas ça. Donc, on va aller voir directement au niveau de mes notes. Donc, on a le explain, à moins que ce soit juste relation. Je crois que c'est juste relation. C est, c est, c est, c est. Je trouve que la syntaxe qu'ils ont fait, autant, autant l'idée elle est bonne, J'en va pas se mentir, je trouve que c'est un super outil. Euh, mais, mais la syntaxe utilisée, euh, c'est vraiment pas ça quoi. Mais vraiment pas ça du tout. Je ne sais plus comment on fait. Si j'avais utilisé mon implémentation, on fera après, ce sera beaucoup plus simple parce que je trouve que les noms sont plus cohérents en fait sur le rajout ou même la suppression des données. Euh, explain et normalement je dois avoir colon user. C'est bien relation ou c'est columns. Ok, autant pour moi, donc c'est columns. Même si je trouve ça un peu bizarre. Ok, donc là on a bien euh, le type de clé, donc on a bien ID, euh, c'est en fait la clé primaire, index 0, type en fait il n'y en a pas de type actuellement, et n'a pas de, de valeur par défaut. Et les deux autres en fait sont typés, donc il y a euh, une string, enfin une chaîne de caractères et l'autre un entier. Donc avec ça normalement on va pouvoir insérer des données un peu comme on veut, sachant que c'est typé, s'il y a une erreur qui se passe, on va être notifié qu'il y a une erreur. Donc on va essayer de refaire un peu l'expérience. On va l'appeler ID, id name age. Et on va faire volontairement un petit problème au niveau des données. Donc celui-là, on s'en fout. On va mettre juste un id. On va mettre un euh, Name, on va l'appeler, euh, je sais pas moi, Toto. Et l'age, on va, on va mettre juste une chaîne de caractères pour voir ce qui se passe. Et on va insérer tout ça dans la table T2 qu'on a créée. Donc id name age. Hop. Donc là, on a un problème. Parce qu'il nous dit explicitement, attention, là ce que vous avez, c'est un, un, une chaîne de caractères. Euh, nous on attendait un integer. Donc pour faire un entier, on va juste faire ça, on aurait pu caster aussi. Et on a bien les données en question qui ont été insérées. On va essayer de les récupérer cette fois-ci. Pour les récupérer, on va refaire la syntaxe, comme j'ai dit tout à l'heure, qui était un petit peu particulière. Qui permet en fait de récupérer les données sur cette table. Donc on est obligé de mettre ça comme ça, T2, ID, name, age. Ok. Regardons un peu ce qui se passe. On a bien notre donnée qui a été faite, qui est présente, et il n'y a aucun souci. Pour la mettre à jour, on peut très bien en fait réutiliser à peu près le même principe. Sauf que cette fois-ci, euh, on n'a pas besoin de recréer la donnée en complète. Vu qu'on a la clé principale, on peut mettre à jour les données qui sont présentes au niveau de la clé principale. Donc là par exemple ce qu'on peut faire, ça va être, on va l'appeler la, name age, on va récupérer les données de cette façon-là, donc le, le nom, on va l'appeler Toto, et l'âge, on va mettre 76, ok Et à partir de cette valeur-là, on va pouvoir directement rajouter dans la table T2 les valeurs qui nous, qui nous intéressent. Donc le ID, ça va être 1, j'aurais pu le faire comme ça aussi, ça aurait peut-être été plus clair pour vous, Hop, ID, id euh, name age donc là on va, on va la réinsérer c'est ok, et si on récupère une nouvelle fois les données qui se trouvent là-dedans euh, j'aurais dû faire une, une sauvegarde au niveau de, euh, des commandes que je passe, donc par exemple id name age depuis la table T2 id name, name age normalement vous devriez avoir bien la, versi la version à jour de la table parce qu'on a justement notre IDK ici. Alors après, évidemment, on peut supprimer, etc., les données. Bref, c'est juste pour faire une petite introduction à CosoDB sur comment ça fonctionne. Je ne vais pas aller forcément plus loin, euh, parce que je vais vous montrer après avec Kerlang ma version à moi, la version que j'utilise. Mais c'est pour vous donner un, une petite idée euh, déjà de la syntaxe, comment ça tourne, comment on fait pour jouer avec les données. C'est vrai qu'on aurait pu faire un autre truc supplémentaire, euh, faire un filtrage dessus. Par exemple, pour tout ce qui est âge supérieur à 70, alors on affiche ça. Et là, ça nous permet de faire un filtrage. Si vous faites déjà du airlock, vous vous rendez compte que ça, c'est les guard. C'est un peu le, le système pour filtrer. Ça, en fait, en gros, c'est le match spec pour récupérer les données. Et en fait, ça, c'est l'affichage de comment la donnée, on veut qu'elle soit affichée directement sur l'écran ou retournée. On peut très bien, en fait, faire de cette façon-là. C'est beaucoup plus. Comment dire intuitif selon moi que de le faire par exemple avec du SQL. Alors évidemment c'est comme d'habitude il y a des avantages et des inconvénients mais je trouve que c'est plus intuitif comme ça malgré le fait que la syntaxe soit pas géniale euh, au niveau de COSODB je précise mais c'est ça me semble beaucoup plus intuitif c'est vrai qu'on pourrait faire des, 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 rela des relations un peu plus complexes mais c'est pas le but de la vidéo c'est juste pour vous montrer comment CauseO fonctionne. Donc on va aller un petit, on va faire un petit tour dans Kozo, alors je ne sais plus si je l'ai ici. Euh, on va le cloner au pire. Euh, git clone. Mm -hmm. Alors, j'utilise un Mac, euh, un Makefile parce que j'ai eu quelques petits soucis lors des tests avec les librairies. Donc, j'ai préféré euh, utiliser un Makefile pour, pour le faire entièrement. Donc, on va le lancer. Le Makefile, en fait, il s'occupe de tout. Il va récupérer les données, il fetch tout, etc. Et tout, il fait normalement tout tout seul. Il n'y a aucun souci. Et là, normalement, il devrait être euh, chargé. Donc, pourquoi je disais... Que j'ai passé, enfin, que, que, que passé pas mal de temps dessus, que je trouve que c'est plus consistant que la syntaxe qui est déjà utilisée euh, au niveau de euh, du, du, de CosoScript, qui est le langage utilisé pour CosoDB. Alors, déjà, j'ai essayé de renommer un petit peu sur le même modèle qu'on utilise avec Ecto pour les, pour, les, pour les développeurs Elixir, avec à peu près les mêmes options, les mêmes terme pour, par exemple, supprimer un index, supprimer une relation, quelque chose comme ça. Ça me semble être un petit peu plus, comment dire, consistant que ce qu'on a ici. Mais vu que c'est une version relativement haut niveau, c'est pas forcément aussi ce qu'on attend. Moi, ce que je veux avec la version Rust, après, c'est utiliser la syntaxe Rlang pour pouvoir justement est en capacité de créer quelque chose un peu comme euh, Nesia ou, ou ETS ou quelque chose comme ça. Donc c'est surtout une interface, ce qui nous permet en fait de créer pas mal de choses assez intéressantes. Donc euh, je, je vous donne un exemple. On va juste créer une base de données, simple. Et euh, il n'est pas chargé. Ok, je ne l'ai pas compilé. Ah. Pourquoi c'est pas c'est pas pourquoi c'est pourquoi ça marche pas? Euh, make c'est bizarre. Prive, il est bon. Kozoniv.so. lipcos.c pour moi, il m'a l'air ok. Mec uh, Shell, c'est bizarre. Ok, je problème de, de chargement. je bref, bref. Des choses qui arrivent. Donc, euh, comment que ça fonctionne Alors, ça fonctionne de la façon suivante. Il faut savoir qu'on peut ouvrir autant de bases de données qu'on veut. Pour le moment, en fait, il n'y a que des limites au niveau de l'intégrer. Les bases de données, par défaut, sont en mémoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez lancer une mémoire avec COSO, Kozo, COSODB va créer simplement cette base de données en mémoire et vous allez pouvoir faire vos calculs, vos relations et compagnie directement dans un, dans un environnement mémoire. La structure que vous donnez, euh, c'est un record qui est constitué de euh, 3 ou 4 fields. Le premier champ correspond en fait, à l'addit de la base de données qui va être utilisé pour mapper la base de données que vous avez démarrée avec la librairie C de Kozo et en fait le monde Airlang. Le second terme qui est utilisé, c'est le type de base de données. Donc, par défaut, c'est une base de données en mémoire. Un pass qui par défaut est un pass totalement aléatoire, mais stocké dans /tmp avec un préfixe au début underscore. Les options en fait qui ont été lancées et le, pays, le, le process qui est euh, le process pair qui a lancé en fait euh, ce, ce, euh, cette base de données. Le but c'est quatre termes, un process donc, le process qui va lancer directement cause DB puisse être seulement en charge de cette base de données. À titre d'exemple, c'est un peu comme EDS. Euh, le but, c'est vraiment de faire en sorte que euh, le, le process en question, il mm, y a un mode private, public, euh, protected. Donc tout ça, c'est du prévu, c'est dans, dans les bacs, c'est des tests que j'ai fait aussi. Et la structure de données ne va pas trop changer normalement que la version Rust. La seule chose qui va changer avec la version Rust, c'est que l'intégrateur qui va être ici va être une référence et non plus un intégrateur. Mais ça, théoriquement, vous vous en foutez. Si vous utilisez simplement l'interface, ça, ça, ça devrait le faire. Donc maintenant qu'on a ça, c'est bien joli. On a notre truc, c'est sympa. Donc normalement, on a DB ici. Comment on fait pour jouer avec On peut utiliser la façon suivante. Donc on va pouvoir faire... Euh euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau On va faire une query. Plus c'est run, run query, je crois. C'est run, hop. Donc le, le premier élément ça va être db et en fait ensuite euh, la query. Donc en gros, on a une query vide, c'est normal, ça marche pas. Mais je peux très bien réutiliser le code qu'on a fait tout à l'heure pour vous donner un exemple de ce que ça va retourner. Et là, on a bien notre réponse au format JSON avec les tables qui vont bien. On peut aussi, évidemment, bah, créer des relations, create euh, relation. Euh, donc là, typiquement, on a aussi la documentation qui s'affiche, donc euh, DB, euh, le nom de la relation qu'on peut avoir. Donc, par défaut, je crois que c'est du string, mais ça aussi, ça va changer. Euh, les noms de relations, à terme, ça, devait être, ça va être, avec la version Rust, ça va être du binary, du bit string, enfin, binary bit string, quoi, et euh, potentiellement, du, comment ça s'appelle, euh, des atomes. Donc là, on va refaire un test, on va créer, par exemple, T1, et dedans on va mettre euh, par exemple euh, A B C donc euh, deux colonnes donc là euh, trois colonnes donc là on a bien nos trois colonnes et on va pouvoir faire la même par exemple avec T2 et on a bien nos trois colonnes à partir de là euh, moi personnellement je trouve que c'est plus simple de dealer avec cette syntaxe là que avec la syntaxe qu'on a déjà avec euh, Coso euh, par défaut Qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec ça maintenant ben on, va, on, va, on va continuer les queries, on va faire une petite query dessus, on va faire des, 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 des insertions de données. Donc normalement on a create, je crois, ou add data, je ne sais plus comment je l'avais appelé. Je ne l'ai peut-être pas encore fait justement parce qu'il y a eu pas mal de soucis. Euh, Petro, Petro, Petro. Non, il ne marche pas correctement celui-là. La majorité des interfaces sont, sont, sont préfixées dans la documentation en étant instables. Ça va changer, les noms vont changer, euh, mais ça devrait quand même être fonctionnel si vous voulez faire un POC actuellement et tester en fait l'interface en elle-même. Euh, donc on va faire juste une query pour, pour ajouter pour le moment. Euh, youp, run. Et là on va faire db. Et notre query ça va être à euh, je crois que j'ai le support du multi-query. Et c on va récupérer ces données là depuis euh, 1, 2, 3, et à partir de là, on va faire notre autre code pour l'injection. Être... Je suis quasiment sûr d'avoir fait la version put. Il me, faut la... Il me faudrait la doc. Hop. Ça que... Ouais, donc en gros, c'est ça la version. Je ne pas... l'ai pas encore fini. C'est bien ce que je pensais. Uh, put. Puis on va mettre quoi dans put On va mettre 2. T1 par exemple. Uh, a, B, C. De uh, la façon suivante. On enfin, ferme la parenthèse normalement. Et ça devrait fonctionner. Et on a une erreur parce que justement, sur cette partie-là, on n'a pas du multi. Du multiline. Et ça marche toujours pas. Par ça. Ah oui, ok. Ça marche mieux. Si on oublie de fermer un crochet, ça marche moins bien. Donc là, on a ajouté nos données. Et là, on va ajouter nos données aussi sur T1 et T2. Pour récupérer, bah, comme tout à l'heure, euh, en fait, on va récupérer quoi On va récupérer les données directement au niveau de T1 ou T2. Donc T1, euh, A, B, C. Et on va peut-être essayer de se récupérer aussi T2. Alors, je sais plus exactement la syntaxe. Est-ce qu'il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts mais a priori ça a l'air de fonctionner, euh, donc on a bien en fait notre, euh, nos données qui sont récupérées, les leaders et la valeur 1, 2, 3. Donc c'est vraiment pour vous expliquer un peu le fonctionnement et comment j'ai fait. Donc ça c'est la première version, c'est une interface relativement haut niveau euh, qui permet de spawner normalement un process, sachant qu'actuellement le process n'est pas du tout protégé, c'est à dire que n'importe quel autre process au sein en fait en gros de l'application peut y avoir accès. L'autre exemple, c'est utiliser CosoDB, euh, le module CosoDB qui permet en fait lui de spawner directement un process, qu'on va en créer un, et qui va normalement l'isoler par rapport aux autres. Alors pour le moment, vu que la protection entre le process et la base de données n'est pas encore faite, ce n'est pas le cas. Mais c'est pour avoir un exemple de comment ça pourrait fonctionner. À partir de ce moment-là, on peut très bien utiliser euh, cette, ce, ce, ce process-là pour linéariser les requests qu'on va faire. Et par défaut, normalement, ça map intégralement, Et quand je dis intégralement, c'est vraiment intégralement les mêmes calls que la version de COSO. Ça veut dire que quand je vais devoir modifier la version de COSO au niveau des interfaces, qui vont probablement être renommées ou avoir de nouveaux arguments, CosoDB va en fait, euh, le module COSO underscore DB va comment dire, refléter ces, ces, ces modifications-là aussi. Et on peut faire exactement la même façon, euh, les mêmes commandes, Donc, par exemple run query. Euh, je vais juste me permettre de faire la même que tout à l'heure parce que je n'ai pas envie d'aller non plus trop loin là-dedans. Si vous êtes intéressé après pour en savoir un peu plus, je vous invite à venir vous amuser avec l'application et on reçoit bien correctement euh, tout ce qui va bien. Alors pourquoi je l'ai fait sous forme d'un process euh, Parce que j'aimerais bien en fait à terme pouvoir interconnecter les différentes bases de données entre elles et faire des, rela des relations en fait euh, distribuées entre différentes bases de données et mon but c'est de faire en sorte que un process gère une base de données avec n relations un autre gère n relations etc et qu'on puisse faire des synchronisations entre les relations idem euh, c'est beaucoup plus facile de d'avoir une liste complète des actions qui ont été faites sur une base de données si on linearise tout et donc ça nous permet d'avoir des réplications quasiment instantanées, à chaud, sur un autre point sur la planète. Et ça, c'est un truc qui me plaît, qui me botte bien. C'est pour ça que j'ai fait l'interface de CosoDB, Parce que sa structure en elle-même, même si la syntaxe ne me plaît pas forcément, ce qu'il y a dans le cœur, en fait, est intéressant. Et ce qu'il y a, en fait, ce qui est possible de faire avec, est super intéressant. Donc voilà, c'était juste une petite introduction rapide à CosoDB. Pour l'instant, je l'utilise dans aucun projet. Euh, mais il y a de fortes chances que ce projet-là vienne se greffer à STR un jour pour l'analyse des, des, des messages qui sont envoyés et pour pouvoir potentiellement faire l'automatisation aussi, euh, ne serait-ce que pour euh, l'analyse des bots ou n'importe quoi, ou les gens qui utilisent un peu trop de ressources et compagnie. Et pourquoi pas à terme, et ça c'est sur du très long terme parce que j'y crois pas trop, euh, venir y brancher notre... Euh, notre gestionnaire d'utilisateurs et compagnie pour prouver que ça fonctionne. Mais je pense que ça sur du long terme, parce qu'il me faut la version Rust pour pouvoir gérer ça. Donc ça c'était Kozo. Euh, J'espère que déjà ça, ça vous semble intéressant. Mais c'est globalement, j'ai mis à peu près une semaine ou deux à créer ça. Dès que j'ai un peu plus de maîtrise au niveau de Rust, il y aura une autre version qui sera annoncée avec comment j'ai fait pour apprendre Rust, qui n'est pas du tout évident pour moi. Et euh, comment j'ai fait pour pouvoir l'intégrer avec cette nouvelle version, avec ce nouveau back-end entre guillemets. Ok, donc ça c'était Kozo, c'était juste une petite présentation. N'hésitez pas à voir l'article encore une fois, il est disponible gratuitement, vous l'avez sur Substack. Euh, je crois que j'ai fait des notifications un peu partout sur ça. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus euh, si ça peut vous intéresser. Pareil, euh, c'est fait vraiment, vraiment, vraiment rapidement. Donc, il y a souvent des typos. N'hésitez pas à proposer les correctifs ou quoi que ce soit. Euh, ce serait vraiment avec plaisir d'avoir un peu de participation au niveau de, au niveau de ces projets. Et bah, je pense qu'on n'est pas trop mal pour aujourd'hui. C'était juste un petit open bar. C'était pour fêter euh, et annoncer un peu tout ce qui a été fait les dernières semaines. Euh, la prochaine fois, en fait, je pense que je vais vous montrer Bertie champ bar euh, qui se trouve Hop, Bertie et il y a de fortes chances que dans le prochain de pen bar on fasse un peu de. un peu oui, que, que dis-je beaucoup de bruit euh, dans le sens où j'ai envie de vous montrer comment on fait pour péter une machine virtuelle erlang et quand je dis la péter c'est l'exploser littéralement donc euh... En sorte qu'elle ne puisse plus être démarrable, du déni de service, comment faire pour. Eux. Bref, toutes les possibilités qu'on a en fait en face de nous, basées potentiellement sur du code réel, parce que j'ai vu en fait deux, trois projets qui m'intéresseraient à, à venir casser, et qui sont utilisés par beaucoup de monde, euh, et qui peuvent en fait avoir un réel impact sur la productivité, sur la production, sur énormément de, 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 de problématiques qu'on peut retrouver dans le monde réel d'un point de vue sécurité. Pareil, Bertie, pour l'instant, c'est qu'une version qui va décomposer, mais j'aimerais créer une version qui va permettre de, 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 de créer ses propres en fait, payloads et potentiellement des payloads faux qui, dans ce cas-là, vont permettre de faire de l'injection de données mal intentionnées euh, sur du Erlang. Et voir comment la machine virtuelle Erlang, comment le parseur en fait qui est codé dans mes souvenirs en C en plus, réagit avec ces mauvaises données venant de nulle part. Il y a un gros boulot là-dessus, je ne m'attendais pas du tout à creuser autant sur cette partie, mais il y a vraiment de quoi faire. Et, euh, et ouais, je pense que ça peut être intéressant, même d'un point de vue sécurité, parce que beaucoup de personnes parlent d'Erlang comme étant sécurisé, etc. Bah, même n'importe quel système qui semble être sécurisé, on peut toujours le corrompre, toujours le, lui faire un peu de mal, et ça va être potentiellement mon terme, enfin mon but à terme quoi. Donc je pense qu'on parlera de ça un peu la semaine prochaine. Euh, quoi d'autre comme note Je vais essayer de faire des micro-vidéos aussi. C'est vrai que ça j'ai oublié de le dire, mais on m'a posé pas de mal de questions sur les articles que je publie sur euh, GNU Linux Mag. Et euh, ces questions-là, en fait, c'est souvent qu ce qu'il y a dedans, Est ce qu'on peut pas y avoir accès. C'est vrai que globalement, je les ferme actuellement parce que je revends une partie de mes droits d'auteur directement à GNU/Linux Magazine et je n'autorise pas leur lecture euh, sans que les personnes soient abonnées. S'il faut bien manger le soir entre guillemets et avoir de quoi financer à long punch aussi, parce qu'une grande partie des financements, enfin de l'argent qui vient euh, des, des publications d'articles sur Linux Mag permettent aussi de financer en grande partie Erlang Punch avec l'infrastructure actuellement et euh, les besoins que j'ai euh, liés à ce projet. Donc le but, ça va être potentiellement à terme de faire des micro-videos sur, par exemple, comment fonctionne la cryptographie. Euh, comment créer l'algorithme de César en Erlang euh, Est-ce qu'il y a d'autres méthodes euh, Comment fonctionne le module SSL Comment fonctionne le module crypto Comment on fait pour créer un certificat avec Erlang Et tout ça en fait sur des petites vidéos de 3-4 minutes. Euh, pareil si encore une fois j'ai le temps, qui seront potentiellement publiées au fur et à mesure dans la semaine ou le week-end ou, ou quoi que ce soit. Sur ce, je pense que c'est bon. J'ai fait un peu le tour. Euh, les interviews qui auraient dû normalement être réannoncées mi-septembre euh, vont peut-être être encore décalées parce que j'ai pas beaucoup de temps de libre. Il euh, y a les deux vidéos que j'ai fait, les deux ou trois vidéos que j'ai fait, les interviews que j'ai faites en fait pendant les, 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 les vacances d'été, de, de juillet à août. Je pense que je vais les reliser en brut. Le, la post-production prend trop de temps et j'ai pas envie de laisser pourrir ça dans un coin. Donc il y a de fortes chances aussi que ça arrive d'ici sous peu, mais au format un peu, un peu moins bien que ce que j'attendais. Donc on verra ça plus tard. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.